pas? Je voulais préparer aujourd'hui avec maman. Mais elle a dit que je grandisse encore un peu. Tu sais, c'est comme ça que ça va être. Comme ça, je vais préparer ce que tu aimes manger. Oui. Vraiment, tu as dit la vérité. J'aime la bouffe. Énormément. La nourriture est prête. Ça, c'est pour toi? Chérie, c'est pour toi? Angèle, mais tu n'as pas prié. Ok, prions. Plus Jésus, moins diable. Amen. Chérie, tu as fait quel genre de prière? Tu penses que je vais commencer par prier comme ta mère? J'ai pas su temps. Angèle, prochainement c'est toi qui vas prier, ok? D'accord, maman. Bon appétit. Chérie, prends. Maman, c'est tellement délicieux. C'est vrai. Maman prépare bien, n'est-ce pas? T'inquiète, je vais t'apprendre à te préparer comme maman. Génial. Papa, je commence l'école quand? Oh, t'inquiète pas. Dans peu de temps, vous commencerez l'école, ok? Ok. Moi, je l'ai Ange. Mon cœur, prends. Ma chérie, je vais au boulot. Ok. Oui. Je te souhaite un bon boulot, d'accord? Merci. Et n'oublie pas d'aller faire quelque chose pour l'école de Angèle. Oh, ça? T'inquiète pas, je vais le gérer. Oui, durant la pause, je planifie d'aller voir Stanley afin que nous réglions cette affaire. Tu sais ce que je veux dire. D'accord. Ok. Ouais. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. Ok. C'est comment? Tu es en train? Ok. Comment vas-tu? Oui, patron, je vais bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que tu te sens plus mieux maintenant. Bien sûr, je vais mieux maintenant. Ce médicament a vraiment fonctionné. Merci beaucoup, monsieur. Remercions Dieu. Tu as presque fini ou bien c'est déjà fait? Oui, j'ai fini. Ok. J'espère que tu connais la voie qui mène à la pharmacie. Oui. Ok. Ok. Vers midi. Ok, monsieur. Juste à cet endroit et faire ton test. Ok. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Ok. Merci, monsieur. Je t'en prie. Bye bye, monsieur. Moi, j'aime la Mary Jane International School. Je ne veux plus retourner dans cette école. Mon bébé d'amour. Oui, papa. Tu as entendu l'oncle Stanley? Oui. Dit que cette école est l'une des meilleures écoles dans cette ville. Je veux que tu le crois. Angèle, c'est une très belle école pour les belles enfants comme toi. Pour les enfants intelligents comme toi. D'accord? Tu vas l'aimer. Je t'assure, tu l'aimeras plus que l'autre école. D'accord.
T'inquiète, on fera de notre mieux pour te satisfaire comme tu aimes l'école. Oncle Stan. Ah, hey, regardez cet homme. T'es devenu un grand garçon. Ravi de te voir. Ouais, très longtemps. Oui, oncle. Regarde ta barbe, est-ce beaucoup à rame ou quoi? Mais tu vas où avec ce sac? Je voyage pour les gosses. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Tonton. Ah, mon Bonjour. Ange. Comment tu vas? Bien. Grand frère, il faut que j'aille. Ok alors, pas de problème. Hein? Mm. Ok, pas de problème. Quand je serai à l'école, je te passerai un coup de fil. D'accord. Ok. Ali, moi je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Prends bien soin de mon ange. Je le ferai. Au revoir. Prends bien soin N'oublie de pas toi. De m'acheter quelque chose. Je le ferai, mon ange. Quelque chose de spécial, ok? D'accord. Oui, je le ferai. Au revoir. Angèle, reviens. Où est-ce que tu vas aller avec l'oncle? Angèle. Madame, bon après-midi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Angèle, comment tu vas? Bien. Comment était l'école aujourd'hui? C'était okay. Bien. Notre école est très jolie. J'étudie dans une école internationale. Sérieux? Oui. Oh, vraiment. Oh, bienvenue. Hein? Merci. Ah, il n'y a pas de courant. Avais-tu bien surveillé la maison? Ok, très bien. Mike, ouais, tu sais, tu es un très bon ami pour moi. Et on vient de très loin. Je veux t'aider. Tu veux m'aider? Tu ne cesses de me dire comment tu veux être indépendant et que tu veux devenir une grande personne, gérer des business, avoir de l'argent. Et moi, je me suis dit que c'est dans les besoins qu'on reconnaît les vrais amis. Je veux vraiment t'aider. Il y a un business que j'aimerais t'intéresser. Business? Oui. De quel business tu parles? Vente de voitures. Vente de voitures? Mais tu sais que je n'ai aucune expérience en ce qui concerne les voitures, alors pourquoi tu m'as appelé ici? Relax. Relax. Ok. Relax et écoute la suite. Très bien. Oui. J'ai plusieurs voitures à ma disposition. Différentes marques. Mais il y a une voiture très particulière. Mercedes Formatic. Mercedes Formatic? Oui. En fait, cette voiture coûte 10 millions de naira. 10 millions de naira? Oui, 10 millions de naira. Mais c'est une grosse somme. Mais j'aimerais qu'on vende cette voiture à 5 millions de naira. Ok. Maintenant, écoute-moi. Écoute comment on va le faire. Trouve un acheteur. Vends-lui la voiture. À 5 millions. Prends 2 millions. Et donne-moi 3 millions. Oui. Mais comment puis-je trouver l'acheteur? Car je ne connais pas tellement des gens qui font des trucs de voiture. Alors comment puis-je les trouver? Pense. Tu connais quand même beaucoup de gens dans ta vie, non? Alors bouge ta tête. Pense. Raisonne. Oui. J'ai un frère qui aime beaucoup les voitures. Mon frère, mon grand frère. Ton grand frère? Oui. Il adore les voitures. Mais mon problème maintenant est comment puis-je l'aborder? Comment puis-je lui parler de cette affaire? Ah, ne connais-tu pas quelqu'un qui est très, très, très proche de lui? Je veux dire, quelqu'un qui a de l'influence sur lui. Pense. Oui. J'ai un avocat, Maître Stani. Maître Stani?
Maître Stani, oui. C'est bien alors? Un très bon vieil ami de mon frère. Mais mon problème reste toujours, comment puis-je convaincre les deux, le maître et mon frère, calme-toi, concernant cette affaire? Dis-moi ce que je dois leur dire. T'inquiète, t'inquiète. Je trouverai une solution. Je te dirai quoi dire au maître. Maman, merci. Ah, je crois que tu as aimé la nourriture. Oui. Ok. Maman, devine un truc qui s'est passé avec notre maître. Tu sais que maman n'est pas forte en ça. Alors dis-moi. Maman, je veux pas te dire, je veux que tu devines. Madame Ogukwa. Ce n'est pas une madame, c'est un monsieur. Ok. Monsieur. Monsieur qui? Ma chérie, s'il te plaît, dis-le-moi, je suis pas votre devinette. Ok. Je te promets d'acheter quelque chose, alors dis-moi. Et qu'est-ce que tu vas m'acheter? Ton favori. Les biscuits et la crème. Ok. Le nom de notre maître, c'est Monsieur Ben Mwangana. C'est vrai? Oui. Le même nom que notre père? Oui, mais il y a quand même la différence. Parce que pour lui, son nom, c'est Ouanganga, alors que pour le nôtre, c'est Ejoka. Exactement, mon bébé. Alors dis-moi, est-il beau comme notre père? Non, il n'est pas beau comme notre père, mais il est gentil comme lui. Ma chérie. Ok, dis-moi. Oh, papa est papa, là. Papa, bonne arrivée. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Chérie, bienvenue. Comment vas-tu? Ça va, comment est-il le boulot aujourd'hui? Très bien. Ma princesse. Oui, papa. Aujourd'hui était ta première jour à l'école. Papa, c'était bien. Tout le monde là-bas est très gentil. J'aime ma nouvelle école. Donc, l'oncle Stanley a dit la vérité. Oui. Tu vois ce que je te disais? Chérie, devine le nom de son maître. Comment s'appelle votre enseignant? Devine seulement. Son nom est Monsieur Ben Mwangana. Yeah! Donc, tu vois, je t'ai dit plusieurs fois sans compter que des gens, particulièrement qui se nomment Ben ou Benjamin, sont toujours des personnes gentilles. Allez, chérie. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, tu sais de quoi je parle. T'es pas sérieux. Où est ta mallette? Oh. Oui, je l'ai laissée dans la voiture. Va dire à Samson de me l'amener. Ça aide la voiture. La voiture est ouverte. Viens, mon amour. C'est que j'ai oublié. J'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Mon avocat. Ouais. J'ai une affaire à te proposer. C'est quel genre d'affaire? Ça concerne mon frère. En quoi ça me concerne? J'aimerais donc que tu te fasses du pognon à son sujet. Tu sais, mon frère est un très bon ami à toi et il adore les voitures. Ouais. Et il a confiance à toi également. Il y a un ami à moi qui vient du Ghana. Il est rentré avec une Jeep Mercedes Formatique. Et la Jeep est aussi à bon prix, voilà. Et on peut l'utiliser pour la vendre chez mon frère et trouver gain de cause de sa part. Ok, Mercedes Jeep Formatique. C'est un genre de véhicule que j'aime aussi. Oui, maître. D'accord. Alors, combien ça coûte? La Jeep dont je parle, la Jeep Formatique là, elle est disponible à 3 millions. 3 millions? Oui, mais tu peux dire à mon frère que le prix est fixé à 5 millions pour que nous ayons le bénéfice de 2 millions que nous allons partager entre nous deux. Ça, c'est une bonne affaire. Oui. Mais es-tu sûr que le véhicule est disponible? Oui, maître. C'est disponible. D'accord. Je te donnerai la réponse. Très bien alors. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Ça va. Oh, mon pote. Mon cher, comment? Je vais bien. Vous vous êtes vu avec le maître? Oui, nous nous sommes vus. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il voulait te voir. Hein? Ok, entre, allons le voir alors. Très bien. Porte un toast. Oh, mon ami. Longue vie.
La vie est bonne. L'argent. Tu sais que maintenant, je suis en ville. Attends, tu sais que l'autre fois, tu me disais que tu vas m'introduire dans beaucoup de choses. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis en ville, hein. J'ai besoin de faire l'argent. Je te dis. Calme-toi. Toute bonne chose se passe dans cette ville. Je le crois ici. C'est une ville que nous n'allons jamais regretter d'y habiter. Mm-hmm. Je vais te dire pourquoi. Mm. L'argent, les affaires, mm. les contacts, mm. les connexions, tout est ici. Mm. Mm, tu vois? Seulement que, tu vois, je n'ai pas assez d'argent pour bouger. Mm-hmm. Ça me donne de la peine parce que quelque chose que je rêvais, que je souhaitais, que j'espérais, est finalement apparu, mais je n'ai pas assez d'argent pour profiter de l'occasion, tu vois. Et qu'est-ce que c'est? Fais-moi savoir. Bien, ça va. Il y a un ami à moi qui est revenu de l'étranger, tu vois. Il met en vente un véhicule que l'on doit avoir. Mercedes GL50 Formatic. C'est ça la situation, mon ami. Ça, c'est une grosse voiture. Mais moins cher, très moins cher. Une très belle voiture. Mais le gars a un projet qu'il est en train d'exécuter dans son village. Alors, il a besoin de l'argent pour pouvoir finir son projet. Alors, il veut laisser la voiture à une somme de 5 millions de naira. Et je ne l'ai pas pour l'investir et prendre cette voiture. Ça me donne de la peine. 5 millions. Ma voiture de rêve, elle est disponible maintenant. Cette voiture coûte plus de 15 millions de naira. T'as pas besoin de le dire. T'as pas besoin de le dire. Il a dit qu'il voulait me la donner parce que je suis son ami. Et je peux aussi te la donner parce que toi aussi tu es mon ami. Et attends, tu vois, attends, attends, une minute. Est-ce que cette voiture est en forme? Qu'est-ce que tu dis? Je dis directement de l'étranger, directement. Et tu sais que c'est les belles choses que nous aimons. Et nous poursuivons attends, toujours attends. Les belles choses. Attends. Une deuxième main. GR 350. Formatique. Je ne plaisante pas. Mais si tu es intéressé, je peux te le donner à ce prix, 5 millions de naira. Ce qui est important de prendre la voiture de ses mains. Mm-hmm. Alors, après avoir sorti la voiture, je promets que je trouverai quelqu'un qui nous donnera 10 millions de naira pour payer. Je te jure, j'ai des gens, j'ai des connexions. Je parlerai à un de mes honorables amis. Hein? 10 millions. Mais regarde, parlons d'affaires maintenant. Quand nous recevons l'argent, les 10 millions de naira, tu prendras tes 5 millions de naira pour s'assurer que ton argent n'est pas perdu. Et les 5 millions de naira restants, est-ce que nous allons partager? Si tu ne me donnes pas un, tu me donneras deux, parce que c'est une affaire. Ça ne sera pas un problème. Tant que tu peux la revendre à plus de 5 millions de naira. 10 millions, mais je te promets ça. Mais ça, c'est un profit à gagner dans l'immédiat. 10 millions, mais ma part sera un ou mais deux. Mais toi aussi, tu sais, tu n'as pas t'inquiéter pour ça. Alors conclue. Hein? Conclue. Je voulais... Quand le veux-tu? Es-tu intéressé? Je suis intéressé. Alors, quand est-ce que tu le veux? Maintenant. Mais je dois rentrer chez moi et, tu sais, avoir certaines discussions pour être sûr de ce que je suis en train de faire. Et je te ferai ici. Ça va? Mon cher. Je sais que ta belle femme l'aimera aussi. Jésus. Tu sais qu'elle aime des voitures. Je le sais. Elle aime des voitures. Pas de problème. Alors, santé. J'aime ça. C'est bien. Une très belle voiture. Moins cher. Tu sais ce que je pense? Je vais prendre la voiture et l'utiliser au moins 6 mois avant que tu n'ailles la vendre. Nous allons le partager. Oui, non. Tu conduiras pour 3 mois. Je conduirai aussi pour 3 mois. Puis on le vend. Non. Je vais l'utiliser durant 6 mois. Waouh. Je suis très content maintenant. Très content de ce qui se passe. Cette vie est belle. Je prie que ça marche. Bien sûr, ça doit marcher. Je pense que je dois parler à ma femme. Ah, non. Je ferai mieux de la surprendre. Elle ne doit pas savoir maintenant. Jusqu'à ce que cette voiture arrive. Mon cœur, pourquoi tu es toute seule ici? Ma chère. La table est prête. Oh. Allons-y pour manger.
Samson. Monsieur. Va m'ouvrir le portail. Ok. Mon cœur. Oui. Au revoir, ma petite chérie. Ok, chérie, il y a quelque chose que je te dirai à mon retour. D'accord. Ok, utilise ta ceinture. Oui, madame. Pourquoi tu cries comme ça, comme si tu étais dans la forêt? Ah, ah, crier? Madame, je n'ai pas crié. Que veux-tu dire? Ah, je n'ai pas crié. Es-tu sérieux? Je suis sûr, non, je n'ai pas crié. Y a-t-il quelqu'un qui est entré ici? Personne, personne n'est entré ici. Va un peu voir là-bas, s'il te plaît, va voir. Il n'y a personne là-bas? Il n'y a personne là. Je suis sorti et je n'ai vu personne. Ok, tu peux partir. Avais-tu pris ton petit déjeuner? Oui, madame. Allô? Ouais. Vous êtes au bureau, n'est-ce pas? Oh, s'il vous plaît, attendez-moi un peu, j'arrive. Je suis allé voir un client. Je serai bientôt au bureau. Soyez un peu patient, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. J'attendais tellement tes appels et toi non plus, tu ne m'appelais pas, donc je ne comprenais rien. Dis-moi, c'était business. Quoi? Business. Business. Business, rien que ça. Business, business, business. Donc c'est à cause de tes business que tu ne pouvais même pas m'appeler pour savoir comment j'allais. Non, tu ne peux pas appeler ta petite amie. J'ai appelé, mais ton numéro ne passait pas. Mon numéro ne passait pas? Oui, c'est ça. Juste dis-moi que tu étais occupé peut-être avec tes copines et tes amis. Hein? Oh, du calme, écoute-moi. Je viens de te dire que tu m'as manqué. Tu dis que je t'ai manqué, c'est vrai ça? Es-tu sérieux? Hey! Tu sais, je n'ai pas cessé de penser. Wow. Tu m'as fait attendre. Je suis désolé. Bien sûr. Pour te faire attendre. Tu le sais bien. Je suis sérieux. Désolé, ce n'était pas intentionnel, ok? Ça va. Comment ça va? Ouais, ça va. Je suis bien. Seulement que j'ai trop attendu et je me suis senti mal à l'aise. Je sais. Ce n'était pas de mon intention de te faire entendre. Désolé pour ça. Maintenant, on dit quoi? Je suis vraiment désolé que j'ai pris du temps pour payer cet argent. Hein? Mais tu sais que je viens d'arriver en ville. Il y a certaines choses que je dois mettre en place dans la maison, ok? Mais je veux que tu me donnes d'ici
vendredi. D'ici vendredi, ça sera prêt. Hein? D'accord, si tu le dis, seulement que j'ai attendu, j'étais perturbé. Seulement que l'ami penserait que je ne suis pas sérieux. Ah, et de mon part, je penserais aussi que tu n'es pas sérieux. Ah non. Et tu sais qu'en tant qu'avocat, j'ai beaucoup de clients. Oui. Ils veulent tous investir dans mes affaires. Ça. Mais quant à toi, je sais que tu es un ami différent. Tu es l'ami le plus intime à moi et je ne voudrais pas te décevoir. Toutefois, si c'est difficile pour toi, si tu ne peux pas l'acheter, pas de problème. Je vais le donner Non. Je suis confortable avec ça. Si tu ne peux pas, t'inquiète. Je vais le vendre la prochaine fois si une telle opportunité se présente. Ça va, considère mon délai de vendredi. En fait, laisse-moi dire, à partir de lundi, nous devrions rouler avec cette voiture. Ouh. Je te dis. Ouh. Oh, c'est hey. Non, j'ai pas l'envie de prendre quoi que ce soit. D'accord, je vais porter tout à ça. Au moins, touche ma glace. Santé. Ça, c'est une bouteille bien fraîche de Guinness. Ouais, ça va. Allô? Ouais. D'accord. Bien. Je descends tout de suite. Tu me verras. Attends-moi. Ça va. J'ai quelques clients dans mon bureau, c'est pourquoi je n'ai pas voulu que tu entres. Okay. D'accord. L'affaire est conclue, il a accepté de payer vendredi. Très bien, maître. Vendredi, c'est bon. Nous aurons l'argent. C'est bon. Okay. Il ne faut pas qu'il sache que je suis au courant de tout ça. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes dans la même affaire. Sérieux? Donc, ce qu'il nous faut, c'est un travail propre. Ok, donc, pas de problème. Allons, il va payer ça le vendredi. Ok. À bientôt. Bon. Il faut que j'aille. Merci, maître. Hey, vérifie la machine dont je parle. Hey, t'es sûr? Attends, c'est GL 450 Mercedes-Benz. Format. Hey. Il faut prendre un peu de temps avant d'ajouter ce format. Hey, je serai très belle avec cette voiture. Ouais. C'est surtout dans ça qu'on va commencer à me déposer à l'école. Exactement, je vais te baisser la vitre pour dire coucou à tous mes amis qui me verront. Et tous les enfants à l'école voudront être amis. Être tes amis, donne-moi 5. Waouh! C'est plus que tout. Avant que vous ne commenciez à penser autrement, je veux que vous mettiez en tête que cette voiture est à vendre pour nous d'avoir de l'argent. Chérie! Arrête! N'essaie pas de me convaincre. En ce moment, tu sais que cette voiture nous dépasse. Cette voiture est au-delà de notre niveau. Hein? Ne vous inquiétez pas, Vous savez quoi? Nous allons l'utiliser au moins durant 6 mois. Non seulement nous, mais moi, ta femme. Tu vois, je veux la conduire pour emmener ta fille à l'école. Ah, je serai très belle. Eh bien, 6 mois sera assez pour vous de faire votre choix avec cette voiture. Ouais. On fera ce qu'il faut. Mais ne vous inquiétez pas. Tout le monde dans ton école te verra dans cette voiture. Chérie, imagine. Hey. Ça, c'est... Regarde les tableaux. Cette Jeep. Wow. Je l'imagine. Regarde les tableaux et les autres. Je l'imagine. Je l'imagine. Oh mon Dieu. Assure-toi de ne pas arriver déjà. Ça va arriver quand, chérie? Hein? Dis-moi si ça va arriver quand. C'est déjà au Nigeria. Oui. Quand est-ce que nous allons alors la voir, c'est ça? T'inquiète pas. Dans peu de temps, vous allez rouler dans ça. Ok.
Voilà. Hey. Oui, mon ami, et je suis vraiment désolé que j'ai pas pu respecter le délai que je t'ai donné comme prévu. Je ne veux pas que tu te sentes déçu. Hein? Tu sais que j'avais certains trucs à régler avant que tu n'apportes l'idée de cette voiture. Mais en ce moment précis, j'ai 3 500 000. J'ai cherché de l'argent un peu partout, mais en ce moment, c'est comme je suis coincé. Et j'ai décidé de venir te voir si tu peux... Essaye de trouver les 1 500 000 restants qu'on va ajouter aux 3 500 000 que j'ai trouvés afin qu'on aille acheter cette voiture. Hein? Comme ça, tu peux maintenant, après la vente, tu sais, on va partager l'argent tel que cela se doit. T'inquiète, comme je l'avais dit avant, ce n'est pas grand-chose. Je t'avais dit que je n'ai pas pour le moment assez d'argent à cause de certaines dépenses que j'ai effectuées. Mais pas de problème. Si l'argent n'est pas disponible, tu peux attendre. Je proposerai que tu gardes de l'argent pour le moment. Parce qu'il veut l'argent urgentement. Il vient juste de quitter mon bureau. Je vais l'appeler pour lui dire que tu n'es pas prêt. Peut-être on le donnera à un autre. Et après, quand il aura une autre opportunité, alors tu l'auras. Non, 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 pourquoi ne pas... Alors, attends d'abord. Tu sais, non, ne l'appelle pas pour le moment. Allô? Non, juste attends. Allô, honorable? Attendez un peu, je vous rappelle dans quelques minutes, s'il vous plaît. Merci. Essayons de faire ceci, non? Pourquoi veux-tu qu'on rate cette opportunité? Hein? Essayons de faire ce business, non? Ceci est quelque chose qu'on peut réaliser. Tu n'as pas besoin de te gêner. Il aura une autre opportunité, donc donnons ceci à une autre personne qui est prête. Comme je l'ai dit, moi je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi je suggère ça. Si je l'ai, pourquoi ne pas compléter ça? Tu sais quoi? Je vais te demander une faveur. Je veux que tu m'accordes encore un peu de temps. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Laisse-moi voir ce que je peux faire entre aujourd'hui et demain. Hein? D'accord, comme tu l'as dit, je vais l'appeler pour le dire. Faut pas être pessimiste. Faut pas l'être. Laisse-moi voir ce que ça peut donner. Je dois bouger. D'accord. Prends soin. Ouais. À plus. Je pensais que tu étais capable. Mon Dieu! Oh, comme c'est bien! Tu as aimé cette place? Je sais! Non, je sais, je pensais que c'était coûteux, alors que c'est vraiment abordable. Je te dis. Je suis très contente pour toi. Et dis-moi, comment va Ounye? Elle va bien. Comment s'appelle ta fille? Je sais, comment va-t-elle? Elle est là-haut, en train de dépenser l'argent de son père. Je sais! Et comment va Angèle? Angèle est en train de dormir. Dormir jusqu'à 7 heures. Allez, c'est pas vrai. Va la réveiller.
Mes yeux doivent voir mon bébé. Elle va entendre ta voix et elle va sortir. Et toi aussi, regarde-toi, tu es oui, toute ma belle. Je dois briller. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Bébé, j'ai vraiment aimé ta maison. C'est vraiment magnifique. Je vais commencer à venir ici de temps en temps. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ne dis rien. Tu ne me mettras pas dehors quand je serai en train de venir ici à tout moment, je crois. Il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment intéressant. Hey, tant pis. Voilà mon nom, chérie. Ça fait tellement longtemps comme tu as grandi. Regarde comment tu brilles partout. Tu as une bonne mine. Tu vois quel temps. Comment l'école? Ça va bien à l'école. C'est une nouvelle école. Elle est très jolie. Je l'aime. Alors comment va Misso? D'ailleurs, elle a demandé après tout. Regarde ta coiffure, je suis ta maman. Oui. Je peux voir que tu profites de l'argent de papa, hein? Comment ses études, non? Je crois qu'il est en train d'apprendre. Ah, c'est ce que tu demandes. Elle est intelligente comme sa mère. Oh, c'est vrai. La première de ah, la oui. classe. La bonne tante, tu peux encore me rappeler de ces temps. Oui. Alors, chérie, tu prends vraiment bien soin d'eux, hein? Bien sûr. Ah, content de te voir. Ok, merci, ça fait tellement longtemps, tu sais. T'inquiète, je vais commencer à venir. Je viendrai avec Messi prochainement, ok? Comment ça va? Que ça va là-bas aussi. Notre amour. Ouais, entrez. Ah, mon ami, oui. Je suis très content de te voir. Ouais, 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 ouais. Tu vois, tu es content et sourire. Ah oui, l'argent est disponible. Wouh! Je suis disponible. Bien oui, sûr. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est ce que je vais demander. On fait quoi alors? Alors, allons prendre la voiture. Ok, on y va. Je n'aime pas ça. Écoute-moi, j'ai dit, tu as très mal agi. Tu ne devrais normalement pas procéder de la sorte. Non, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça, ce n'est pas intéressant. Combien de fois dois-je te dire la même chose? Quoi? Je ne suis pas ce genre de type. Donne-moi de l'argent et tu récupères la voiture, c'est tout. Oui. Ok. Ok. Très bien. Soyez les bienvenus. Ah, merci. Bonjour, monsieur. Ah, qu'est-ce que vous a retenu pendant si longtemps? Ah, le stress du travail et les embouteillages. Voilà l'ami dont je vous ai parlé. D'accord, enchanté. L'argent est-il complet? Oui, oui, c'est prêt. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes là. Bien, je vais vous donner les numéros de mon compte bancaire pour que vous payiez. Et après, apportez la preuve, nous allons conclure le marché. Mais le véhicule est toujours disponible, n'est-ce pas? Toutes ces voitures que vous voyez sont disponibles, bien sûr. Toutes sont intactes. D'accord. Alors, allons faire le paiement. Ok, c'est bien. Donc, nous devons aller à la banque pour faire le dépôt. Voilà. Ça marche. Maintenant, dis-moi ce que tu veux me dire. Mon école m'a désigné pour participer à une compétition nationale. Il y a 5 millions de naira qui seront distribués aux gagnants et il y a aussi des bourses d'études pour ceux qui doivent partir à l'université. Waouh! Ça, c'est intéressant. As-tu parlé à ta mère? Oui. Hey! Tu dois bien apprendre. Apprendre. Afin que... Mon cœur, tu es ici? Chérie, tu ne dois pas me croire. Je suis sérieux, je sais ce que je dis. Tu crois que je blague? Non. J'entends les voix étranges dans cette maison. Je te dis qu'il y a un, ça ne va pas dans cette maison. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette maison. Toi, écoute, tu es en train de te faire peur.
Chérie, ne me dis pas ça. Ne me dis pas de me calmer. C'est comme si je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Hein? C'est sérieux. Ah, ok. Cet après-midi, j'étais assise ici. J'avais entendu des voix étranges. J'étais entrée pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et à mon retour, j'ai trouvé du désordre ici. Ce fleur était parfait, mon téléphone n'en parlant pas. Tout est désordonné, je ne sais même pas qui était ici. Je n'avais vraiment rien vu, je n'avais même pas compris. Qu'est-ce que tu me dis? Je sais ce que je dis. Je suis sérieuse. Chérie. Tu dois le prendre au sérieux, chérie. Je sais ce que je dis. Écoute, laisse-moi. Samson, qu'est-ce qu'il y a? Madame, est-ce que vous avez entendu des bruits comme si quelqu'un était en train de crier ou quoi? Je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai même cru que quelqu'un m'appelait. Je suis sorti pour voir, mais je n'ai rien vu. Alors, ça m'a étonné. Je l'ai dit. Je viens de le dire. Mais tu ne m'as pas cru. Ma chère, est-ce que tu as essayé de lui faire comprendre tout ça? J'ai essayé. J'ai essayé de dire à mon mari, mais il ne me comprend pas. Hein? Peut-être que c'est parce que je l'entends moi-même. Laisse-moi te dire. Je crois que tu dois chercher comment te calmer. Trouve quelque chose qui va t'aider à te remettre. Je fais de mon mieux. Je suis passée dans différentes compagnies pour déposer. J'attends leur appel. Vraiment, tu attends les compagnies? Mais tu peux te créer un business, n'est-ce pas? Commence par là. Démarre ton business. Fais quelque chose et cela te permettra d'entrer en contact avec d'autres personnes. Et tu vas faire un nom. Je vais penser à propos. Pour le moment, l'histoire de cette maison me préoccupe. Tu ne vas pas comprendre. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Ce n'est pas un jeu. Je vais parler de ça à mon prophète. C'est vrai? Tu vas le faire? Si tu le fais pour moi, je serai vraiment reconnaissante. Pardon. Merci énormément. Vous payez les frais de location chez qui? On ne sait pas où. On n'a pas rencontré les propriétaires. On avait payé chez l'agent. À un agent? Mais il y a quelque chose qui m'étique. Je crois que c'est pour cette raison qu'ils font louer leur maison à un prix moins cher. Ne penses-tu pas ainsi? Thank you.
What kind of life? What kind of life? Life? What kind of life is this that I'm living? Oh my God, please help me. Oh my God, hey, help me. I don't die. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu es furieux, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux même pas croire tout ce que je pense en ce moment. Je ne veux pas croire ce qui traverse ma tête en ce moment. Hein? Quel est ce genre de bêtise? Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Mon cœur, tu m'effraies maintenant. Tu me fais peur. S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Durant 3 jours après l'avoir payé cet argent, le téléphone de Stanley est éteint. Maintenant, aujourd'hui, sa ligne passe et je l'appelle depuis le matin. Il refuse de répondre. Je suis retourné dans son bureau. Le bureau est fermé. Les voisins m'ont dit que cela fait 4 jours et il ne vient pas au bureau. Quel est ce genre de bêtise? Hein? Quel est ce genre de bêtise? Hein? Hey! Je n'arrive pas à comprendre. Hey! Peut-être qu'il y a, ça ne va pas. Même si c'est le cas, il devait t'appeler pour te le dire même au téléphone. C'est ce que je dis. C'est de ça que je parle. Hein? Comment? Papa. Qu'est-ce qu'il est? Papa, j'entends des voix qui crient dans ma chambre. Une voix? Oui. Ça va, ça va, ça va. Calme-toi. Il n'y a aucune voix. Hein? Ça va. Ça va, ok? Ça va, hein? Restez ici, ok? Restez ici. Hein? Salut. Bonjour, merci. Vous vouliez me voir? Oui, c'est à propos de cette maison. Cette maison est hantée. Beaucoup de choses mystérieuses se produisent dans cette maison. Regarde-moi, je ne peux même plus comprendre ce qui se passe. Hein? Mon agent est disparu et je ne peux même plus dormir dans la maison que j'ai payée. Hein? Monsieur Prenn et Geoffroy, je ne sais pas ce que vous voulez dire par « beaucoup de choses arrivent dans la maison que vous louez ». En fait, que voulez-vous dire par « votre argent a disparu » ? Écoute, Smart, ça c'est une longue histoire, je ne veux même pas aller là-bas. Ce qui m'importe en ce moment, c'est la sécurité de ma famille, s'il te plaît. Alors, que voulez-vous que je fasse? Smart, fais ce que tu dois faire. Ma fille est traumatisée. Ma femme n'est plus égale à elle-même. Hein? Chai. Que ferais-je maintenant? Je suis terriblement affamé. Ma femme dit qu'elle ne peut plus rentrer dans cette cuisine à cause de ce qui se passe. Cette situation me dépasse. Je t'avais dit, tu ne sortiras pas aujourd'hui, tu n'iras pas au boulot aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe dans cette maison, tu ne sors pas aujourd'hui. Tu ne sors pas aujourd'hui. Écoute chérie, je veux que tu comprennes cette situation. J'ai besoin d'aller chercher de l'argent pour nous couvrir. Mon argent est disparu comme ça et je ne peux pas croiser mes bras et garder le silence. Je vais me laisser ici avec Angèle pour que ce que je ne sais pas nous arrive. Non, non, chérie, je ne serai pas vraiment. Écoute, tu ne sors pas aujourd'hui. Je te le dis. Regarde, en ce moment, je ne sais même pas ce qui se passe dans cette maison. Ce que je veux, c'est de sortir, aller travailler pour gagner de l'argent. Regarde les factures qu'on nous envoie et toi, tu me dis, tu m'empêches de sortir. Quelle est cette bêtise? Hein? Et tu veux que je reste à la maison? Pour quelle raison? Oh,
L'argent est plus important que ta famille, c'est ça? C'est pas ça. C'est plus important que ta famille. Et tu vas partir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'iras pas aujourd'hui. Tu dois rester avec nous ici. Tu dois être avec nous ici. Où est-ce que tu as mis mes chaussures? Où est-ce que tu les as déposées? Je ne sais pas. Où sont mes chaussures? Je ne sais pas. Écoute, chérie, tu me tentes. Tu me défies. Quelle est cette bêtise? Tu veux alors me taper? Si tu veux me taper, fais-le maintenant parce que tu ne sortiras pas aujourd'hui. Tu ne sors pas de cette maison. Écoute, écoute. Je dois sortir d'ici. Ne m'énerve pas dans cette chambre. Hein? Angèle! Mon pote, tu sais, je me demande pourquoi cette famille a déménagé. À peine 2 ou 3 mois, ils ont déménagé. Ah, vraiment? Je n'en sais rien. Tu sais qu'ils sont mes voisins, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Chaque jour, la nuit, j'écoute cette femme-là quand elle crie. Même dans l'après-midi. Je ne sais même pas ce qui se passe. Nawao, j'étais surpris lorsque je les avais vus en train de déménager. C'est bien qu'ils aient déménagé. C'est mieux parce que... Je ne sais pas, pas moyen de dormir, pas moyen de se reposer. À chaque fois, il ne faisait que crier. Après-midi, le soir, même le matin. Oh, Nawao. C'est mieux comme ça. Qu'ils partent trouver un autre endroit. Alors, comme ça, on pourra se reposer. Je m'inquiète énormément. Beaucoup de choses nous arrivent à la maison. Je veux dire, cette voix vient comme le vent. Vraiment comme la tempête. Et aussi ça vient comme la voix d'une vieille qui pleure. Ça nous inquiète vraiment tout ce qui nous arrive à la maison ces derniers temps. Mon mari... a perdu son argent chez un de ses meilleurs amis. Je me demande si leur famille n'était pas collée. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Je m'inquiète vraiment, ça me dérange. Tout est devenu très compliqué. Mon mari a décidé de partir habiter dans un hôtel. Nous sommes à l'hôtel il y a de cela 4 jours. T'inquiète ma chère. Si tu étais venue chez moi en premier lieu, j'aurais souhaité que vous veniez habiter avec moi. C'est ok ma chère amie. Tu n'as pas à t'inquiéter.
Et qu'est-ce que le bailleur a dit? Il a dit qu'il va inviter des gens qui viendront prier à la maison. Mais nous les supplions pour qu'ils remettent notre argent, comme ça nous allons chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Depuis que nous lui avons parlé à propos, il ne se fait plus voir. On ne l'a plus revu jusqu'aujourd'hui. Ah, je suis fatiguée. Non, ça va. Ça me fatigue. Donc c'est comme ça? Ma chère, t'inquiète, remettons tout entre les mains du Seigneur. C'est évident qu'il donnera une solution à ces problèmes. Ok, je viendrai demain vous voir. Comment va Ange? Elle va bien, elle est à l'hôtel. Salut-la de ma part, hein. Je viendrai demain vous voir. Merci mon ami. Prends bien soin de toi. Hein. Bon, je pars maintenant. On va continuer de parler au téléphone quand je vais arriver à la maison. Hein. Je te ferai signe. Ok, ma chérie, je vais te relancer juste après ma douche, hein. Prends bien soin de toi. Allez, viens lui ouvrir la porte. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Allons-y à l'intérieur. Hey, écoutez, n'osez pas venir à l'intérieur. Peu importe ce que vous allez entendre. N'osez pas entrer. Très bien alors. Je suis venu en paix. Manifeste-toi. Je fais un très long voyage pour venir ici. J'aimerais que tu me reçoives en paix. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, pardonne-leur pour que la paix soit rétablie. Comment est-ce que ça s'est passé? Je fais de mon mieux. Ok. Où en sommes-nous alors? S'il te plaît, dis-moi. À qui appartient cette maison? Le propriétaire est Monsieur Basleka, Chuko Bassi. Il vit à Lagos et il vient de temps en temps ici. Oui. Une certaine femme et son enfant ont été tués dans cette maison. Maintenant, leurs esprits sont partis.
Mais lorsqu'ils vont revenir, l'enfer c'est mieux. Pour que cette maison soit libérée pour toujours, vous devez apporter une poule blanche, cette noix de cola, une chèvre et cette igname. Passez mon message au propriétaire. Dites-lui que personne ne saura libérer cette maison jusqu'à ce que le nettoyage prendra fin. Bonne soirée, jeunes gens. Smart, as-tu entendu ce qu'il a conté? J'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire à ce sujet? Honnêtement, mon cher, je ne sais pas comment m'y prendre. Hein? Je ne suis pas le propriétaire de la maison. Le propriétaire vit à Lagos et je ne suis que son envoyé. Qui te demande? Tu es la personne qui m'a amené ici, hein? Dans ce cas, hein? Appelle le propriétaire. Appelle Basleka ou Basituko. Hein? Passe-lui un coup de fil, s'il te plaît. Hé, tu ne vas nulle part. Cet argent doit être payé. Hein? Je ne t'ai pas payé en tant que démarcheur. Ah, fous-moi la paix. Ben, Fred, pendant combien de temps vas-tu continuer à être ainsi? Je t'ai demandé de te débarrasser de cette humeur. Débarrasse-toi de cette humeur. Une période difficile pour un homme n'est pas la fin de sa vie. S'il te plaît, j'ai la confiance que dans peu de temps, les choses vont s'améliorer. S'il te plaît, sois un homme. Où est ta famille maintenant? Elles sont chez ma belle-mère. Mais Fred, cela n'est pas mon problème parce que je sais qu'ils sont en sécurité là-bas. Je veux recommencer à travailler. Parce que c'est évident pour moi que mon argent a disparu sans trace. Ces 5 millions de naira ont disparu. Pourquoi sommes-nous amis alors? Pourquoi sommes-nous amis? Mec, tu sais que je connais bien cette ville. J'y étais avant même que tu n'arrives. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour assurer ton confort. Je peux t'assister sous toutes les formes que je puisse. S'il te plaît. La bonne nouvelle est que tu n'étais pas viré à cause de ton incompétence. C'était des trucs du genre distraction et voilà, manque de concentration, tout ça. À cause de ce même problème, ça te dérange à Fred, ce moment? Je ne peux pas croire que ceci m'arrive. Honnêtement, qu'est-ce que je pensais? J'ai laissé l'autre fonction pour venir ici parce qu'on me doit 14 mois. Hein? Ils ne pouvaient pas me payer. Je suis venu ici pour commencer une nouvelle vie. Regarde là où je suis, en face d'un autre problème. Problème sur des problèmes. Quelle est cette vie même? Hein? Fred, je pensais que je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Regarde mon meilleur ami. Qui escroque mes 5 millions de naira, l'agent de ma sueur. Aïe. Bien, pas de problème. Je t'ai promis de me rassurer que tu aies un nouveau boulot. Je te fais confiance, je sais ce que tu peux faire. Je ferai tout ce qu'il faut. Il suffit de frapper quelques portes. Je sais bien les gens que je peux rencontrer dans ce genre de situation. Alors, relax. Fred, s'il te plaît. Une autre partie la plus importante. J'ai besoin de l'argent. En fait, je n'ai aucun sou sur moi en ce moment. Et depuis que ce problème s'est éclaté, c'est ma belle-mère qui prend soin de ma famille. Je sais comment les femmes raisonnent. Dans peu de temps maintenant, elles vont commencer par t'injurer. Hein? Elles vont commencer par t'insulter. Je comprends. Je comprends. Mais pas de problème, ok? Je dois les confesser. Tu es venu au bon moment. Ok. Oui, mec, il y a quelque chose que j'attends demain. Oui, il y a une somme d'argent que j'attends demain. Alors, relax, ok? Quand je serai au bureau demain, je verrai quoi faire. Alors, envoie-moi ton numéro de compte. Et demain, je verrai quoi faire. Puisque tu as refusé de prendre de la boisson dans ma maison, laisse-moi monter et prendre la clé de la voiture.
Je t'emmène pour un déjeuner, ok? Maintenant que tu es à la maison, je veux que tu saisisses cette opportunité dans la compagnie de mon ami. Il y a un poste vacant dans mon école. Pour moi, je veux que tu commences à enseigner. Moi, enseigner dans ton école? Mm-hmm. Non, tu sais que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Non, ça ne peut pas marcher. Je sais que cela ne te convient pas, mais ça fera quand même l'affaire. Ça ne peut pas marcher. Tu sais que les enseignants sont mal payés. Hein? Ça, c'est ce que je fais, mais nous jurons quand même avec. Maman, écoute, ne pense pas que je suis désœuvré jusqu'à ce point. Hein? Je sais que tu te cherches. J'ai fait des progrès. Hein? Écoute, hier, je suis allé voir un ami. Mon voisin de la cité de l'Indépendance. Tu sais qu'il est bien connecté. Je lui ai parlé à propos de ma condition et il m'a promis de me trouver un job. Mmh. Oui. Bien que ça, tu ne sauras pas subvenir tout le besoin de la famille juste avec ça. Ah, s'il te plaît, ce n'est pas une question de mettre tout mon espoir sur une promesse. Ça ne peut pas marcher. Ah, si je prends ce travail maintenant, on va commencer par me payer 10 000, 15 000, pas plus. Comment vais-je arriver à prendre soin de ma famille? Le problème, c'est à sa gestion. Ah, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Comme tu dis ainsi. Ok. Mmh. Tu vois cette voiture que tu avais soldée. S'il te plaît, remets ça. Ne le vends plus. Pourquoi? Mmh. Je trouvais un peu d'argent pour vous chez mes amis. Prochain toast. Oh, mon ami. Longue vie. La vie est bonne. Et quoi, tu sais que maintenant je suis en ville. Attends, tu sais que l'autre fois tu me disais que tu vas m'introduire dans beaucoup de choses. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant je suis en ville, hein? J'ai besoin de faire l'argent. Je te dis. Calme-toi. Toute bonne chose se passe dans cette ville. Je le crois ici. C'est une ville que nous n'allons jamais regretter d'y habiter. Mmh. Je vais te dire pourquoi. Mmh. L'argent, les affaires. Mmh. Les contacts, mmh. Les connexions, tout est ici. Mmh. Tu vois? Seulement que, tu vois, je n'ai pas assez d'argent pour bouger. Mmh. Ça me donne de la peine parce que quelque chose que je rêvais, que je souhaitais, que j'espérais, est finalement apparu. Mais je n'ai pas assez d'argent pour profiter de l'occasion, tu vois? Et qu'est-ce que c'est? Fais-moi savoir. Bien, ça va. Il y a un ami à moi qui est revenu de l'étranger, tu vois? Il met en vente un véhicule que l'on doit avoir. Mercedes GL50 Formatique. C'est ça la situation, mon ami. Ça, c'est une grosse voiture. Mais moins cher, très moins cher. Une très belle voiture. Mais le gars a un projet qu'il est en train d'exécuter dans son village. Alors, il a besoin de l'argent pour pouvoir finir son projet. Alors, il veut laisser la voiture à une somme de 5 millions de naira. Et je ne l'ai pas pour l'investir et prendre cette voiture. Ça me donne de la peine. 5 millions. Ma voiture de rêve, elle est disponible maintenant. Cette voiture coûte plus de 15 millions de naira. T'as pas besoin de le dire. T'as pas besoin de le dire. Il a dit qu'il voulait me la donner parce que je suis son ami. Et je peux aussi te la donner parce que toi aussi tu es mon ami. Et attends, tu vois, attends, attends. Une minute. Est-ce que cette voiture est en forme? Qu'est-ce que tu dis? Je dis directement de l'étranger. Directement. Et tu sais que c'est les belles choses que nous aimons. Et nous poursuivons attends, toujours attends. Les belles choses. Attends. Une deuxième main. GR 350. Formatique. Je ne plaisante pas. Mais si tu es intéressé, je peux te le donner à ce prix, 5 millions de naira. Ce qui est important de prendre la voiture de ses mains. Mm-hmm. Alors, après avoir sorti la voiture, je promets que je trouverai quelqu'un qui nous donnera 10 millions de naira pour payer. Je te jure, j'ai des gens, j'ai des connexions. Je parlerai à un de mes honorables amis. Hein? 10 millions. Mais regarde, parlons d'affaires maintenant. Quand nous recevons l'argent, les 10 millions de naira,
tu prendras tes 5 millions de naira pour s'assurer que ton argent n'est pas perdu. Et les 5 millions de naira restants, est-ce que nous allons partager? Si tu ne me donnes pas un, tu me donneras deux, parce que c'est une affaire. Ça ne sera pas un problème. Tant que tu peux la revendre à plus de 5 millions de naira. 10 millions, mais je te promets ça. Mais ça, c'est un profit à gagner dans l'immédiat. 10 millions, mais ma part sera un ou mais deux. Mais toi aussi, tu sais que tu n'as pas t'inquiéter pour ça. Alors conclue. Hein? Conclue. Je l'ai. Quand le veux-tu? Es-tu intéressé? Je suis intéressé. Alors quand est-ce que tu le veux? Maintenant, maintenant. Maintenant. Mais je dois rentrer chez moi et, tu sais, avoir certaines discussions pour être sûr de ce que je suis en train de faire. Et je te ferai ici. Ça va? Mon cher. Et je sais que hey! Ta belle femme l'aimera aussi. Jésus. Tu sais qu'elle aime des voitures. Je le sais. Elle aime des voitures. Pas de problème. Alors, santé. J'aime ça. C'est bien. Une très belle voiture. Jésus. Moins cher. Tu sais ce que je pense? Je vais prendre la voiture et l'utiliser au moins 6 mois avant que tu n'aies la vendre. Nous allons le partager. Oui, non. Tu conduiras pour 3 mois, je conduirai aussi pour 3 mois, puis on le vend. Non, non, non. Je vais l'utiliser durant 6 mois. Hey, vérifie la machine dont je parle. T'es sûr? Attends, c'est GL450 Mercedes-Benz. Format. Hey. Il faut prendre un peu de temps avant d'ajouter ce format. Hey, je serai très belle avec cette voiture. Ah ouais. Et c'est surtout dans ça qu'on va commencer à me déposer à l'école. Exactement, je ma fille. Je vais te baisser la vitre pour dire coucou à tous mes amis qui me verront. Et tous les enfants à l'école voudront être mes amis. Être des amis, donne-moi 5. Wow. C'est plus que tout. Avant que vous ne commenciez à penser autrement, je veux que vous mettiez en tête que cette voiture est à vendre pour nous d'avoir de l'argent. Chérie. Arrête. N'essaie pas de me convaincre. En ce moment, tu sais que cette voiture nous dépasse. Cette voiture est au-delà de notre niveau. Hein? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Nous allons l'utiliser au moins durant 6 mois. Non seulement nous, mais moi, ta femme. Tu vois, je veux la conduire pour emmener ta fille à l'école. Très belle. Eh bien, 6 mois sera assez pour vous de faire votre choix avec cette voiture. On fera ce qu'il faut. Mais ne vous inquiétez pas. Tout le monde dans ton école te verra dans cette voiture. Imagine. Ça c'est... Regarde les tableaux. C'est Jeep. Wow. Je l'imagine. Regarde le tableau et les autres. Je l'imagine. Oh, je l'imagine. Je l'imagine. Oh mon Dieu. Assure-toi de ne pas arriver déjà. Ça va arriver quand, chérie? Hein? Dis-moi si ça va arriver quand. C'est déjà au Nigeria. Oui. Quand est-ce que nous allons alors la voir, c'est ça? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Dans peu de temps, vous allez revenir dans ça. Ok. Voilà. Hey. Oui, mon ami, je suis vraiment désolé que j'ai pas pu respecter le délai que je t'ai donné comme prévu. Je ne veux pas que tu te sentes déçu. Hein? Tu sais que j'avais certains trucs à régler avant que tu n'apportes l'idée de cette voiture. Mais en ce moment précis, j'ai 3 500 000. J'ai cherché de l'argent un peu partout, mais en ce moment, c'est comme je suis coincé. Et j'ai décidé de venir te voir si tu peux essayer de trouver les 1 500 000 restants qu'on va ajouter aux 3 500 000 que j'ai trouvés afin qu'on aille acheter cette voiture. Hein? Comme ça, tu peux maintenant, après la vente, tu sais, on va partager l'argent tel que cela se doit. T'inquiète, comme je l'avais dit avant, ce n'est pas grand-chose. Je t'avais dit que je n'ai pas pour le moment assez d'argent à cause de certaines dépenses que j'ai effectuées. Mais pas de problème. Si l'argent n'est pas disponible, tu peux attendre. Je proposerai que tu gardes de l'argent pour le moment. Parce qu'il veut l'argent urgemment. Il vient juste de quitter mon bureau. Je vais l'appeler pour lui dire que tu n'es pas prêt. Peut-être on le donnera à un autre. Et après, quand il aura une autre opportunité, alors tu l'auras. Non, non, non. Pourquoi ne pas... Attends. Attends d'abord. Tu sais, non, ne l'appelle pas pour le moment.
Allô? Non, juste attends. Allô, honorable? Attendez un peu, je vous rappelle dans quelques minutes, s'il vous plaît. Merci. Essayons de faire ceci, non? Pourquoi veux-tu qu'on rate cette opportunité? Hein? Essayons de faire ce business, non? Ceci est quelque chose qu'on peut réaliser. Tu n'as pas besoin de te gêner. Il aura une autre opportunité, donc donnons ceci à une autre personne qui est prête. Comme je l'ai dit, moi je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi je suggère ça. Si je l'ai, pourquoi ne pas compléter ça? Tu sais quoi? Je vais te demander une faveur. Je veux que tu m'accordes encore un peu de temps. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Entre aujourd'hui et demain. Hein? D'accord, comme tu l'as dit, je vais l'appeler pour le dire. Faut pas être pessimiste. Faut pas l'être. Laisse-moi voir ce que ça peut donner. Ben. Ah. C'est quoi tout ça? Ben, pourquoi tu es en train de faire ça? Hein? Toutes ces tentations et épreuves sont les tests de la vie. Tu dois surpasser ça par la foi comme un enfant de Dieu. Tu sais, des fois, les difficultés nous arrivent. Mais ça vient juste pour nous fortifier. S'il te plaît, Ben, ne te traite pas ainsi. Les choses vont marcher. D'accord. Je crois que tout ira bien. Je vais aussi te remercier pour le choix de tes mots. Tes conseils me consolident et me font savoir qu'il y a de l'espoir pour demain. En tout cas, ça va. C'est bon. Je suis OK maintenant. Ben. Oui. Si tu veux que je croie à ce que tu dis, alors passe à la table, va manger. Tu sais, je n'ai pas d'appétit, c'est pourquoi je ne veux pas... Dans ce cas, alors tu ne me convaincs pas. Tu dois aller manger ta nourriture. Tu n'as rien mis dans la bouche depuis hier. Et comment je vais croire que tu vas bien? Ben. Je n'ai pas d'appétit, quand j'aurai l'envie, je vais manger, crois-moi. Non, ce n'est pas vrai. Tu dois te forcer de manger. Mange quelque chose. Tu veux mourir? Papa, ne t'en fais pas. Quand je grandirai, c'est moi qui ferai toutes ces histoires pour toi. Et quand je gagnerai la compétition, notre situation changera. Angèle. Hey. Maman, je vais gagner la compétition et je donnerai à papa l'argent parce que je ne veux plus qu'on nous revoie encore dans cet hôtel. Ça c'est ma belle petite fille, chérie. Merci. Tu es très belle. Tu vas gagner, ok? Ok. Tu dois gagner. Donne 5. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Il me garde de tout mal. C'est lui qui protège Israël, ne sommeille ni ne dort. Il me gardera de tout mal et il me protège de tout danger. Lorsque je serai couché, mon sommeil sera doux. La lune ne me frappera pas pendant la nuit. Bienvenue. Comment ça a été? Sans succès. Ça n'a pas réussi? Hey! Qu'en est-il de ma femme? Elle n'est pas encore rentrée. Ok. Et comment avec ton jeune frère? Michael. Oui. Ah.
Michael, c'est comme nous avons le même sort. Hein? Comment? Oui. Ça ne faisait même pas 3 mois qu'il a été escroqué. Et voilà, c'est mon tour. Hey! Pourquoi non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je n'aime pas que tu sois ainsi. Arrête beaucoup de t'inquiéter. Très bientôt, notre Angèle ici va vraiment beaucoup nous honorer. Elle va mettre le sourire sur notre visage. Ma brillante fille. Oui, papa. Bien sûr que ma petite fille nous donnera encore le sourire. Allez, viens. Grand-mère, je sais que je vais gagner. Ah, ça c'est l'esprit de Dieu, je l'avais dit. Ça va aller. Allons-y dormir. D'accord. Allons-y. Au revoir, Angèle. Papa, bonne maman, bonne nuit. Angèle. Oui. Ma chérie. Chérie, je crois qu'on doit aussi aller au lit maintenant. Je suis très fatiguée. Mais je vais rester ici encore un peu, s'il te plaît. Laisse-moi prendre un peu de temps ici pour bien positionner les choses dans ma tête. Chérie. Ok, je n'irai plus alors. On va rester ensemble ici. Et je t'ai déjà dit de ne plus beaucoup penser, tu as compris? Notre fille va bientôt nous faire du bien. Je suis vraiment sûre. Ça va. En fait, je sais ce qui est ton plan, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ma proposition de rester ici est de bien cogiter sur certaines choses afin de bien les régler. Si tu restes ici avec moi, tu dois penser avec moi, ok? Ok. Comme je te l'ai déjà dit, ne pense pas beaucoup. Ok. Ok, j'ai rassemblé toutes mes pensées, je les jette dehors. Bien. Je suis maintenant un homme libre, je suis sérieux. What kind of life? What kind of life? Life? What kind of life is this that I'm living? Oh my God. Mike. Ouais, tu sais, tu es un très bon ami pour moi. Et on vient de très loin. Je veux t'aider. Tu veux m'aider? Tu ne cesses de me dire comment tu veux être indépendant et que tu veux devenir une grande personne, gérer des business, avoir de l'argent. Et moi, je me suis dit que c'est dans les besoins qu'on reconnaît les vrais amis. Je veux vraiment t'aider. Il y a un business que j'aimerais t'intéresser. Business? Oui. De quel business tu parles? Vente de voitures. Vente de voitures? Mais tu sais que je n'ai aucune expérience en ce qui concerne les voitures, alors pourquoi tu m'as appelé ici? Relax. Relax. Ok. Relax et écoute la suite. Très bien. Oui. J'ai plusieurs voitures à ma disposition, différentes marques, mais il y a une voiture très particulière, Mercedes Formatic. Mercedes Formatic? Oui. En fait, cette voiture coûte 10 millions de naira. 10 millions de naira? Oui, 10 millions de naira. Mais c'est une grosse somme. Mais j'aimerais qu'on vende cette voiture à 5 millions de naira. Ok. Maintenant, écoute-moi. Écoute comment on va le faire. Trouve un acheteur. Vends-lui la voiture. À 5 millions. Prends 2 millions. Et donne-moi 3 millions. Oui. Mais comment puis-je trouver l'acheteur? Car je ne
connais pas tellement des gens qui font des trucs de voiture. Alors, comment puis-je les trouver? Pense. Tu connais quand même beaucoup de gens dans ta vie, non? Alors, bouge ta tête. Pense. Raisonne. Oui. J'ai un frère qui aime beaucoup les voitures. Mon frère, mon grand frère. Ton grand frère? Oui. Il adore les voitures. Mais mon problème maintenant est... Comment puis-je l'aborder? Comment puis-je lui parler de cette affaire? Ne connais-tu pas quelqu'un qui est très, très, très proche de lui? Je veux dire, quelqu'un qui a de l'influence sur lui. Pense. Oui. J'ai un avocat. Maître Stani. Maître Stani? Maître Stani, oui. C'est bien alors? Un très bon vieil ami de mon frère. Mais mon problème reste toujours. Comment puis-je convaincre les deux, le maître et mon frère? Calme-toi. Concernant cette affaire, dis-moi ce que je dois leur dire. T'inquiète. T'inquiète. Je penserai à quelque chose. Je te dirai quoi dire au maître. Mon avocat. Ouais, j'ai une affaire à te proposer. C'est quel genre d'affaire? Ça concerne mon frère. En quoi ça me concerne? J'aimerais donc que tu te fasses du pognon à son sujet. Tu sais, mon frère est un très bon ami à toi et il adore les voitures. Ouais. Et il a confiance à toi également. Il y a un ami à moi qui vient du Ghana. Il est rentré avec une Jeep Mercedes Formatique. Et la Jeep est aussi à bon prix, voilà. Et on peut l'utiliser pour la vendre chez mon frère et trouver gain de cause de sa part. Ok. Mercedes Jeep Formatique. C'est un genre de véhicule que j'aime aussi. Oui, maître. D'accord. Alors, combien ça coûte? La Jeep dont je parle, la Jeep Formatique là, elle est disponible à 3 millions. 3 millions? Oui, mais tu peux dire à mon frère que le prix est fixé à 5 millions pour que nous ayons le bénéfice de 2 millions que nous allons partager entre nous deux. Ça, c'est une bonne affaire. Oui. Mais es-tu sûr que le véhicule est disponible? Oui, maître. C'est disponible. D'accord. Je donnerai la réponse. Très bien, alors. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Ça va. Michael, je te l'ai dit plusieurs fois sans compter. Si tu as quelque chose en tête, dis-moi ça. Vaut mieux que tu te réveilles. Hein? Non, ce n'est pas sage de ta part de me suivre un peu partout. Si tu ne viens pas au bureau, tu viendras m'attendre au restaurant. Arrête ça, c'est pas bon. Non, grand frère. Il n'y a pas moyen que je t'attende à la maison pour te dire ce que je suis censé te dire. J'ai trouvé un endroit comme shop et c'est juste à côté là. Attends. Tu es venu me voir au bureau à cause de la boutique? Grand frère, je ne peux tout de même pas attendre que tu reviennes à la maison. Où veux-tu qu'ils prennent les shops? Je devais te rencontrer au bureau pour que tu Ok, c'est combien la boutique? C'est combien la boutique? Juste 350 000 naira, voilà. 350 000 naira. Exact. Pour combien d'années? Y compris tous les frais qui vont avec. 350 000 naira pour 3 ans. Pour 3 ans? Oui. Alors, ça c'est bien. Bien sûr, très bien. Ok, donc tu dois payer pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr, grand frère. C'est pourquoi je suis venu au bureau pour que on en parle avec toi et que tu me donnes l'argent pour résoudre ce problème, voilà. Et que je commence avec mon propre business. Es-tu en train de faire le transfert maintenant? Oh, pourquoi je dois le laisser pour une autre fois? Ok, grand frère, fais-le. C'est quoi ton numéro de compte? Mon numéro de compte, ok. Tu n'as pas ça en tête? Non, laisse-moi le trouver dans mon téléphone. Ok. 330 53 45 91. Ok. Bien. C'est déjà fait. Grand frère, le transfert est déjà effectué. Oui, mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Mais il n'y a aucune notification? Ça va entrer, non? Ok. J'ai fait le transfert. Ok. Je veux que tu saches que Michael,
Je viens de transférer 1 350 000 sur ton compte. Un autre avertissement que je te donne, ou disons plutôt conseil, est que tu sois concentré. Je sais que je ne te donne pas cet argent parce que j'en ai assez. Je te l'ai donné parce que tu traverses une situation très très importante. Donc, ce que tu vas faire est de prendre 350 000 pour aller payer pour la boutique. Et par la suite, utilise 1 million de naira pour aller acheter les marchandises. Essaie autant que tu peux pour que les marchandises grossissent et non pour qu'elles diminuent. Bien. Très bien. Je sais que si tu utilises mal cet argent, Michael, il n'y a aucune garantie que j'aurai encore d'argent pour te donner. Tu sais comment cela est. Tu sais que je n'aime pas qu'on joue avec de l'argent. Non, grand frère, je ne peux pas. Je ne peux pas mal gérer cet argent. Je serai vraiment très prudent. Merci beaucoup. Ça va. Je te promets. Pas de problème. Oui, je ferai ta fierté, grand frère. Ça va. Tu peux partir. Tu vas où maintenant? Je vais voir un ami à côté du marché au banan. Allô? Tu es où? Je suis à la maison. Je veux que tu viennes à la rue Tchalingo tout de suite. Avenue Tchalingo. Ok, j'y arrive tout de suite. Tu m'as vraiment trompé. Et je ne suis pas content. Je ne suis pas content. À cause de toi. Regarde ce que tu m'as fait faire à mon meilleur ami. Je pensais que l'affaire là était une vraie affaire. Maintenant, j'ai fait payer mon ami 5 millions de naira dans le compte de quelqu'un. Où est Maxwell maintenant? Où est Maxwell? Tu m'as fait perdre l'argent de quelqu'un. Calme-toi, calme-toi. Quand je suis, je me casse maintenant comme un voleur à cause de toi. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, ne me dis jamais de me calmer. Ne me le dis pas, ne me dis pas de me calmer. Ça a déjà créé un problème entre nous, ne me dis pas ça. Pourquoi m'as-tu mis dans ce pétrin? Où est Maxwell maintenant? Je n'en sais rien. Où est cet argent? Je suis vraiment confus et je ne sais quoi faire. Tellement confus. Tu ferais mieux d'aller te suicider. Qu'est-ce que je dirais à mon frère? Mais si je trouve ce gars, Maxwell. Ne te gêne pas de ce que tu vas lui faire. C'est moi-même qui vais le tuer. Moi, Stanley, je le tuerai. Je l'étranglerai avec mes deux mains. Allô? Hey Mike, où es-tu? Allô? Allô Mike, où es-tu? Oui, je suis à la maison. Dépêche-toi vite. Je viens de le voir à l'hôtel Futuko, maintenant même. Qui est-ce que tu as vu? Maxwell. Maxwell? Oui. Où comme ça? Il y a quoi? Il y a quoi? À l'hôtel Futuko. Il a quoi? Dis-moi, il a quoi? C'est l'agent qui m'avait mis en liaison avec M. Maxwell. Il a dit qu'il a vu M. Maxwell dans l'hôtel Futuko. Il a vu Maxwell? Oui. Dans cette ville? Oui. Et Lugu? Oui. Attends-nous alors. Voilà. Voilà ton argent. Oh. Ça suffit, ma chérie, ça suffit. Ce n'est pas la fin du monde. Arrête de pleurer, ce n'est pas la fin du monde. Ça suffit, ne pleure pas, ma petite chérie. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur. Hein? Angèle a perdu à la compétition. Angèle a joué. Ça suffit. Non! Pourquoi c'est toujours avec nous? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma famille? Chérie, ça suffit, arrête ça. Ne me demande pas de me calmer. J'ai quitté cette fonction parce qu'ils me doivent jusqu'à 1 an, 2 mois. Ils ne pouvaient pas me payer. J'ai déménagé pour aller dans mon appartement qui est devenu une maison hantée. J'ai parrainé mon frère Michael dans ses affaires. Il a dilapidé l'argent. Avec des femmes en fumant et en buvant. Hein? Et par la suite, vous savez comment mon propre ami, mon meilleur ami, Stanley, comment il m'a payé pour la confiance que je lui ai faite. Ça suffit. Laissez-moi en paix. Pardon. Mon cœur. Maman, voilà. Chérie, mon cœur.
Ici, c'est le passé continu. On utilise le passé continu pour décrire une action ou un événement qui était en cours à un moment précis. Flash info. Dans deux le passé. Hommes ont été inculpés pour une affaire de meurtre. Ici, on a donné une exemple. Maître Stanley Okafor et Monsieur Thérésa Mike et Joko. Prenez son père. Ces derniers sont inculpés pour le meurtre de Monsieur Maxwell. Ce n'est pas ton frère. À cause d'un conflit d'intérêts pour une Mike. Affaire de 5 millions de naira. Ces gens viennent d'être Qu'est-ce arrêtés qu'il fait avec par la police nigériane. Hey. Ils ont été conduits à la station de police pour un interrogatoire plus approfondi. Mon nom est Daisy Tuku. C'était là, le flash d'info Donc, sur la chaîne Unity Michael TV. Est derrière mon malheur. Connecté. Bonne journée. Hein? Regarde la personne que j'aidais. Hein? Mon frère du sang s'est collaboré avec mon meilleur ami pour m'escroquer. Ce monde a vraiment beaucoup de mystères. Angèle, va me chercher mon téléphone. I must tell you, this is not just a story. It's something that happens. It's real life. It happens. Yeah. It happens everywhere. I mean, every here and there. And it is as well the wrap of this mysterious house. This is the end of this movie. I bless Almighty God. May Jah be praised. All right. Yeah, hot dream. Inveto dreams. Okay. This movie, mysterious house. The one movie that you must watch. Very interesting story. Good parties, as I said. We have a good director, Jim Morgan, what he knows how to do best. I have my own friend. It's a Henry James film, and it's a must watch film. Thank you very much. Thank you. Thank you for having a few minutes. In Beto! You know what I mean? You're my nigga. This is Ahams, Collins Ahalangwa, and this is Okoye Kenneth Kendola's Movies. We are here for Heli Jack's Movies, and today we are done with everything. And thank God Almighty, Ahalangwa done a very good job. I recommend him and every crew members in this job, both the actors, the actress, and every person, even though he can't so mean in the movie, but after everything, I can see him smiling. I also see this guy smiling. Understand? We are good. Thank God Almighty, then I pray that this movie will go for an award. After everything, it's always like that. I am Collins Aharangwa, Pandena Ahams. I am the VM of this job, and I must say it wasn't easy because the script is a challenging one. And as God may have it, I was able to manage. You know, it's not easy to manage people, manage everything, and to ensure that I deliver this production within a short period of time. My name is Jenna Frank. Jenna Frank, aka Futugo. I'm a UP. Osa. As you can see, everybody just happy, smiling. Today is a special day. We all saw that last week. Just house. It's a very wonderful walk and a very enticing walk. What you eat? I encourage you guys outside to go and make it to the market.
What kind of life? What kind of life? Life? What kind of life is this that I'm living? Oh my God, please help me. Oh my God, hey, help me. I don't die. Life, life, what kind of life is this that I'm living? Oh my God, please help me. Oh my God, hey, help me. I don't die.